Nos activités visent à lutter contre la biocontamination et les infections hospitalières. Je travaille en équipe avec des collègues. On fait même le bio-nettoyage des parois, des surfaces, de la salle de soins où on travaille. Moi, depuis que je suis quitté ici, j'ai travaillé dans les plus grands hôpitaux de Paris, à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital américain du Pasteur. À chaque fois, je posais mon CV sur les sites, j'ai des appels tout de suite. C'est un bac qui est intéressant et qui a beaucoup d'avantages. Là, on est dans la zone de conditionnement. C'est là où on reçoit les dispositifs médicaux qui ont été lavés en zone de lavage. Alors au cours de cette formation-là, on apprend tout ce qui est en termes de biologie, la chimie et tout ce qui est anatomie humaine. J'ai effectué 2 stages. Ça m'a permis de voir plusieurs domaines d'activité comme la stomatologie, l'endoscopie, la chirurgie générale aussi et la maternité. J'ai progressé en enseignement général, ce qui m'a permis de prendre confiance en moi et de découvrir des capacités d'analyse face aux situations professionnelles. Je souhaiterais bien d'être l'accompagnement des enfants en maternité ou bien des crèches. Après ce bac pro HPS, je souhaite être préparatrice en pharmacie. Dans les milieux hospitaliers, vraiment, ils sont à la recherche de ce diplôme-là.